toutes les forces vives sont réunies pour ce match compliqué. Il est compliqué sur le papier et sur le terrain, je pense qu'il le sera. Par contre, ça n'enlève pas la possibilité pour nous de livrer un bon match. Je pense que nous l'avons souvent accompli contre des bonnes équipes. Nous avons posé des problèmes en Lensois au match aller. On va essayer de trouver la stratégie qui nous permette de bien défendre, de bien utiliser le ballon quand nous l'aurons, d'éviter de subir des phases longues sous pression et sous intensité, parce qu'ils sont évidemment capables de le faire, notamment en début de match. Et puis, mettre toutes ces forces vives à contribution du collectif pour livrer une grande performance, une très grande performance. Avec pas l'obligation encore de résultat, mais pas loin, on s'en approche. Voilà, la nécessité de résultat, elle est absolument présente. Et peu importe le contexte et l'endroit où on joue, l'idée pour nous, ça doit être de pouvoir réenclencher quelque chose au niveau du compteur. Si c'est un point, ça serait superbe. Si c'est plus, extraordinaire. Mais en tout cas, notre recherche doit être celle de la performance qui nous amènera des points qui vont compter. Dans l'état actuel de la saison et de cette période marquée par 6 défaites en 7 matchs, on peut croire en une sensation du hack à Bollard ? Mais bien sûr qu'on peut y croire. On peut y croire parce qu'il y a eu des défaites qui ont été presque inacceptables et où on est passé complètement à côté. Je parle du match de Clermont, mais sur tous les autres matchs, rares ont été les moments où l'équipe a failli. Montpellier, évidemment qu'après le 1-0, il n'y a plus trop de matchs et c'est ça qui nous a posé problème. Mais c'est ce moment un petit peu où on s'est arrêté et on s'est regardé dans la défaite alors qu'il restait encore 25 minutes. C'est ce moment-là qui, pour moi, a été perturbant sur la performance de Montpellier, parce qu'avant ça, on a toutes les clés en main et on devait passer devant au score et on avait livré le match qu'il fallait. Et donc on a travaillé sur ça, discuté avec les joueurs. Ils ont pris également les devants dans ce schéma-là et de dire il n'y a pas un moment où on peut abdiquer et certainement pas maintenant où les cartes, on les a encore dans les mains. Et donc voilà la teneur du message, être conquérant, être battant jusqu'au bout, tenir dans les moments difficiles, et on en a les ressources, bien sûr. On sait que les joueurs ne trichent pas, mais comment faire à cette journée de la fin pour régler ce problème d'efficacité offensive, parce que voilà, encore une fois, face à Montpellier, pendant une heure, le hack a le match quasiment en main ou presque en main, ça rentre pas. Non, ça rentre pas. Après, il faut un petit peu plus de calme. Je pense qu'on est beaucoup dans la précipitation parce que les garçons veulent bien faire. Ils ont le souhait de pouvoir soulager un petit peu l'équipe. Et donc, on peut rentrer parfois dans des moments un peu où on se précipite, où on ne voit pas la meilleure solution possible. C'est vrai que contre Montpellier, il y a 2-3 situations où simplement un dernier petit décalage nous donne le but vide. Et on s'embrouille un petit peu les pinceaux. Mais c'est aussi la nature de notre situation aujourd'hui et de la tension que finalement peu de nos joueurs offensifs ont vécu dans leur carrière. Et donc c'est aussi cet apprentissage-là qui est nécessaire. Mais aujourd'hui, c'est par le collectif et la solidarité, et par l'entente les uns avec les autres que passera notre réussite aussi bien offensive que défensive. Et je pense qu'à Lens, si on livre un match stratégiquement et défensivement de haut niveau, et qu'on soit fort dans les récupérations, on va avoir beaucoup de situations, enfin en tout cas des situations qui pourront s'offrir à nous et on pourra évidemment, avec un but, soulager tous ces moments dramatiques un petit peu que l'on vit en ce moment. Tu parles de moments dramatiques, tu parles de tension. Comment tu qualifierais, toi, la situation actuelle de l'équipe ? Elle est conforme à ce que vit une équipe qui se bat pour ne pas descendre. Et évidemment que c'est l'objectif que nous avions évoqué en début de saison, en milieu de saison, même quand nous étions dans des positions un petit peu plus favorables. Et nous y sommes aujourd'hui. Donc on a la tension et les émotions qui sont liées à ça. Ça nécessite des qualités particulières, notamment celle de ne jamais abdiquer et de ne jamais baisser les bras jusqu'à la dernière seconde. Comme l'année passée, nous avons, dans les moments tension, réussi à remplir l'objectif à la dernière seconde, au dernier match, et bien cette année, nous allons essayer de faire pareil, absorber un petit peu cette tension ou cette pression qui peut exister, et puis collectivement essayer de la dissoudre pour trouver des raisons d'avancer, d'être positif, et d'avoir un discours qui nous permette à chaque fois de remettre les compteurs à zéro et de repartir.
On a battu Toulouse alors que tous les compteurs étaient dans le rouge. Et on avait la même impression et les mêmes difficultés. Et on a sorti un gros match. Et donc, voilà, aujourd'hui, notre objectif, c'est de sortir un gros match face à Lens. Mais est-ce que tu sens que cette tension est quand même plus importante qu'avant ? Elle grandit parce que la fin de saison se rapproche. Donc, évidemment que cette tension, elle existe. Mais c'est du sport de haut niveau. Celui qui fait du sport de haut niveau et qui souhaite ne jamais avoir de tension ou de pression, il va avoir un problème. On est dans une position de recherche de points, comme beaucoup d'autres équipes en Ligue 1 aujourd'hui, que ce soit pour accrocher l'Europe ou pour ne pas descendre. Et on a nos ressources avec lesquelles on se bat et on va tout donner jusqu'au dernier moment, moi et tout le reste de l'effectif, pour réussir. Et ça nécessitera beaucoup de batailles. Est-ce que tu sens que tes cadres, qui peuvent être un André Ayou, un Gauthier Lloris, est-ce que ces gens-là prennent un peu les choses en main, prennent un peu ton relais au sein du vestiaire. Est-ce que tu te sens pas entre guillemets seul? Non, au contraire, je me sens accompagné autant par mon staff que par les joueurs qui ont, pour certains, ont pris les devants, qui ont envie de se battre et qui ont aussi conscience des qualités que l'on peut avoir aujourd'hui et qui pourraient nous amener à gagner les points nécessaires. Il y a zéro moment de relâchement ou zéro moment d'effacement. Il n'y a pas de joueur qui s'efface, il n'y a pas de joueur qui essaye de faire en sorte que ça tourne mal. On est tous dans le même état d'esprit. D'ailleurs, les joueurs ont beaucoup parlé entre eux cette semaine. Enfin, voilà, il y a une perpétuelle recherche de solutions et de leviers qui nous permettraient de changer la situation. Mais est-ce que le fait que M. Volpé soit venu ce matin, est-ce que tu peux dire qu'est-ce qu'il vous a raconté et est-ce que pour toi c'était vraiment important qu'il soit là, nécessaire ? Je pense que c'est important d'avoir notre propriétaire, qui est d'ailleurs une personnalité extrêmement positive, qui dégage une énergie toujours pleine d'enthousiasme. Et l'année dernière, on a vécu son discours sur les moments les plus tendus de la saison. Et derrière, on a réussi à faire le job nécessaire. Et aujourd'hui, ben, j'espère que son discours et cette intervention puissent nous donner ce petit moment de plus, parce que ça donne une sensation d'unité, ça donne une sensation d'une armée qui est prête à aller chercher ce qu'il faut aller chercher. Donc, j'ai, comme tout le temps, beaucoup aimé l'intervention de M. Volpé. Parce que finalement, vous avez toujours les cartes en main, votre destin. Oui, absolument. Après, maintenant, ça ne suffit pas de se le dire et d'attendre que les autres se ratent. Nous devons prendre les devants et nous devons chaque semaine livrer de grosses performances complètes avec un investissement de notre part infaillible de tout le monde. Et de cette manière-là, alors oui, peut-être qu'on vivra encore des défaites, mais je suis sûr qu'à l'intérieur de ça, il y aura des victoires.